Yo les frérots, c'est votre Ganalep. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la carrière manager avec Raymond Domenech. Oui, c'est bien Raymond Domenech. Et il est entraîneur de l'équipe EHPAD FC. Je vous explique le concept si vous n'avez pas encore compris. C'est seulement des joueurs de plus de 30 ans dans l'équipe. En gros, c'est une maison de retraite. Bref, voilà, comme d'hab les gars, quand on tourne ces épisodes-là, on est en live sur ma chaîne Twitch, Nalep-du-bas. Donc voilà, n'hésite pas à venir sur les lives tout simplement. Et merci aux petits frérots qui mettent des petits YouTube. Grosse dédicace à vous les frérots. Bref, du coup, là, ce qu'on était en train de faire, c'est qu'on était en train de chercher tout simplement des joueurs qu'il nous faut dans l'équipe. Parce que tout simplement, il nous faut un buteur ou un milieu gauche et on a seulement 2 millions dans nos poches. Sinon, on n'a rien, les gars. Ce que vous avez vu, c'est vraiment la fin du mercato. Là, il reste à peine 3 heures. Donc là, il faut vraiment qu'on trouve les joueurs qu'il nous faut dès maintenant parce que sinon, c'est la merde. Nouvelle recrue, les frérots. J'ai l'honneur de vous annoncer que Podolski fait partie de l'EHPAD FC, les gars. Incroyable. Ça, les gars, ça fait plaisir. Et attendez, on a 1 million. On peut peut-être encore acheter un joueur, en vrai. Bref, Podolski, les gars, pour seulement 800 000. Franchement, ça fait le taf. Encore une nouvelle recrue, les frérots. Il s'agit tout simplement d'un Messin. Dédicace à Riaz Game, les gars. Ismaël Traoré, nouvelle recrue de l'EHPAD FC, les gars. Il a signé un contrat de 2 ans avec l'EHPAD FC. Et les gars, on en a eu pour 740 000. Franchement, merci à Riaz Gaming et au FCMS. Franchement, ça régale. Ok, les frérots. Maintenant, on va regarder si on a des nouvelles pour Thauvin. On a avancé d'une heure. J'espère que Thauvin nous a laissé des nouvelles. Thauvin nous la met pas à l'envers. C'est le dernier moment là. S'il te plaît, Thauvin. Oh, let's go les mecs. Florian Thauvin, nouvelle recrue. Il a accepté. Thauvin qui vient en prêt. Un an au à l'EHPAD FC les refs. Wesh, mais c'est incroyable ça les gars. Florian Thauvin. Il y a Mandanda et tout qui arrivent, ils disent allez ramène toi mon frérot là, c'est la maison de retraite. Il y a le Viagra qui arrive après, t'inquiète. Ah là là, Thauvin les gars, en vrai ça régale hein. Et d'ailleurs Thauvin les gars, il vient de l'Udinese en prêt pour 12 mois, franchement ça régale. En recrue, on a recruté Mandanda, on a recruté Kurzawa, Ismaël Traoré, Gonalon, Wanyama, Florian Thauvin en prêt, Podolski et aussi Wabi Kazri. Franchement, on a bien recruté les gars. Et c'est que des mecs de plus de 30 ans. Nouveau match de Ligue 2 les frérots, qui oppose l'EHPAD FC à l'équipe de Auxerre les gars. Là on a l'équipe au complète. On est chez nous. Normalement ça va le faire. Allez c'est parti les frérots. Florian Thauvin, on compte sur toi sur ce match. Raymond Domenech. Eh les gars, mon stade il est incroyable. Allez Kazri. Allez Kazri. Provoque le centre de Kazri pour Podolski, ça revient sur Thauvin. Et le golasso. Florian Thauvin pour ce premier match qui marque. Incroyable les refs. Y'a pas Valbuena, ça aurait été marrant. Allez, Podolski. Podolski pour son premier but. Podolski pour le 2-0. C'est ça qu'on veut. Voilà Podolski mon frérot. Il est là Podolski. Et c'est terminé les frérots, victoire 2 buts à 0 de l'EHPAD FC face à Auxerre. Et les frérots, les gars, là c'est un match, on va dire, limite pour la montée en Ligue 1. On affronte Angers premier, nous on est 7ème avec 11 points. Les gars, on va direct sur le match, allez. Allez c'est parti les frérots, nouveau match de Ligue 2 qui oppose Angers à l'EHPAD FC les gars. C'est parti, Raymond, on compte sur toi, la dégaine est aberrante. Ferrat qui attache sur le côté droit, Ferrat le centre. Penalty, main malheureusement d'Ismaël Traoré les frérots. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Mais comment frérot, je me tourne. Tu veux que je me mette la main où? Mais non. Les gars, si, Mandanda écrit l'histoire s'il te plaît. Si Mandanda arrête ce penalty, l'histoire elle est incroyable les gars. Allez Mandanda. Mandanda pour arrêter le péno. Ouais mais non mais c'est quoi ça? On se prend deux pénaltys, c'est trop. Oh non, je vous jure c'est une dinguerie. Mais comment ça frère, mais comment ça, y a péno, tu lui tires dans le crâne, tu lui tires dans la tête. Il la met dans la tête frère, il la met dans la tête. Il se la prend dans la tête. Ça touche une autre partie du corps avant la main frère. Il lui la met dans la tête. Et ça a même pas touché les mains. C'est ça le pire. Comment ça mon ref? Comment tu peux siffler péno? Non, l'arbitre frère, c'est trop. Mandanda s'il te plaît, sauve-nous. Sauve-nous Mandanda. Et c'est au fond, penalty parfaitement tiré, rien à dire. Eh, c'est trop. Ah, oh, c'est trop frère.
Et c'est voilà, terminé les frérots. Défaite 2 buts à 0 contre le SCO d'Angers. Je ne parlerai pas plus longtemps de l'arbitre. L'arbitre est la cause de cette défaite. Je vous le dis clairement. C'est parti les frérots. Nouvelle journée de Ligue 2 qui oppose l'EPAD FC à domicile contre le Pau FC. C'est parti Raymond, on compte sur toi. Ouais, faut rester dedans, faut rester dedans, faut rester dedans. Bien joué ça. Non. 1-0 pour Pau les frérots. Aïe 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 aïe. Allez les vieux là, allez les vieux. Et c'est terminé les frérots. Défaite 1 but à 0 contre Pau FC. Clairement j'ai la haine. On enchaîne deux défaites de suite, c'est très très compliqué. Nouvelle journée de Ligue 2 les frérots qui oppose Grenoble Foot à l'EPAD FC. Les gars, ça va être un match très très compliqué. Grenoble sont très très bien placés au classement. C'est parti. Rookie a vu Souleymane dans la surface. Pourquoi il est tout seul? Je sais pas, il est tout seul. But. Et le but de Souleymane, 1-0, je ne sais pas comment j'ai fait pour être tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment il n'y a pas hors-jeu. Pour moi, il était hors-jeu, j'ai pas compris. Qui passe encore. Souleymane avec Florian Thauvin. Florian Thauvin, le petit crochet. Non, il a mis la Podolski. Podolski, la frappe. Et le 2-0 contre Grenoble. Podolski pour marquer ce but. C'est son deuxième but de la saison. Podolski est en forme, les gars. Raymond Domenech, il a pété un câble carrément. Domenech, il a pété un câble, les gars. C'est quoi ce bordel? 2-0 les frérots. Chut, à l'extérieur en plus. Et c'est terminé les frérots. Victoire 2-0 de l'EPAD FC contre Grenoble les gars. Très très belle victoire hein. Bien joué Domenech. Allez c'est parti les frérots. Nouvelle journée de Ligue 2 aujourd'hui qui oppose l'EPAD FC contre le Stade Lavallois. Les gars, aujourd'hui c'est un vrai match. Allez les frérots. Allez, attaque du Stade Lavallois. Attention, on passe la prendre. Compliqué. Hein. Le centre, ça revient sur Roy. Attention, on passe le prendre. Eh, les arbitres, ils sont contre nous. Eh, les arbitres, ils sont contre nous à mettre des mains H24 contre nous. Eh, la vie, c'est trop. Mandanda, peut-être pour créer l'exploit à la 45e minute. Salut Miliada les gars. Un peu plus avec ce troisième but. Encore en opposition, c'est pas fini. Et le but, c'est son troisième du match. Match à oublier les frérots. Défaite 4-0 contre Laval. Ah franchement là ça fait mal. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais ça fait mal. C'est parti pour cette nouvelle journée de Ligue 2 qui oppose l'AC Ajaccio 7ème à l'EPAD FC 12ème les gars. Là il va falloir tout donner parce que sinon pour la montée ça va être très très compliqué. Allez Mandanda, allez faut y aller là Mandanda, hein. C'est la dernière action du match. Hein. Allez Gilles avec Moreau, c'est la dernière attaque, hein. Faut pas aller en arrière. Hein. Faut pas aller en arrière les gars. Et c'est terminé les frérots, match nul contre l'AC Ajaccio. On est très mal barré les gars. Ah c'est compliqué là. Nouvelle journée de Ligue 2 qui oppose l'EPAD FC à Quevilly Rouen. On espère la victoire cette fois-ci. On est très mal barré pour l'instant. Avec Wahbi Khazri. Wahbi Khazri, Souleymane. Souleymane Khazri. Khazri avec Podolski. Podolski la frappe. On a joué les gars. Podolski 1-0 contre Quevilly. C'est ça qu'on veut voir les gars. Attention à la contre-attaque, faut pas se laisser baiser. Non, non, allez, allez les gars. Non, 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 mais c'est pas possible. Comment on peut se prendre cette contre-attaque, les gars? Comment? Et c'est terminé, les frérots. Match nul contre Quevilly. J'en peux plus, j'en peux plus. On fait que de patiner, les mecs. La montée là semble compromise. FC Annecy contre l'EPAD FC. Nouveau match de Ligue 2, c'est maintenant, c'est parti. Il retrouve Aubert. Aubert Wanyama, ça joue bien dans les pieds. Souleymane, Souleymane qui passe, la frappe de Souleymane. Et le 1-0 contre le FC Annecy, ça fait du bien. Enfin, on respire les gars. Attention, non, 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 non. Qu'est-ce qui branle Mandanda? La vie de Wam, elle est sur lui. La vie de Wam, elle est sur lui. Qu'est-ce que tu fais Mandanda? Gonalon qui va peut-être voir l'appel de Wahbi Khazri, Wahbi Khazri dans la surface, Wahbi Khazri. Toujours le centre de Wahbi Khazri qui est contré. Et le 2-1 pour l'EPAD FC, Wahbi Khazri qui marque sur un but contré. Je ne sais pas qui sera accordé le but, mais je pense que ça sera un CC.
Les gars, 2 buts 1. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait vachement du bien. Regardez-moi cette passe de Gonalon. L'appel de Cazeri. Le centre de Cazeri. Et le compte son camp. C'est ça qu'on veut voir, les gars. Let's go. Gonalon. Gonalon qui dribble. Et Gonalon la frappe. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Gonalon? C'est plus du Gonalon. C'est du Lionel Messi. C'est quoi ça? 3-1, les gars. Gonalon, il nous a fait la samba. C'était le Brésil chez Gonalon, là. Regardez-moi ça, les gars. Ah, Gonalon, c'était le Brésil, là. Oh, lolo. Incroyable. Et c'est terminé, les frérots. Victoire 3 buts 1 de l'EHPAD FC contre Annecy. Et franchement, cette victoire, elle fait largement du bien, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Bref, les frérots, ça va être la fin de cet épisode avec Gonalon qui marque son premier but de la saison. On va faire le point vite fait sur le classement. Pour l'instant, au classement, on est 11e avec 19 points. Et dans la première partie de tableau, les gars, en vrai de vrai, on peut encore remonter sur le train de la 5e, 4e place, voire même 2e place, en vrai, parce qu'ils sont pas si loin que ça. Mais ça va être compliqué. Mais il y a quelque chose à faire, les gars. En tout cas, Angers, je pense qu'ils sont déjà très bien partis pour gagner le titre. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, les gars. Et concernant l'équipe, si vous l'avez pas encore vu, bah voilà à peu près les recrues que vous avez peut-être manqué. Il y a Traoré, il y a Thauvin, il y a Podolski. C'est tout, je crois. Voilà, c'est déjà assez. Bref, voilà l'équipe. J'espère qu'on va monter sincèrement sur cette première année. Mais ça va être compliqué. Mais on y croit, les gars. Bref, les frérots, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se dit à bientôt en live pour la carrière, mais aussi sur les vidéos YouTube pour avoir les résumés ou même des petits résumés exclusifs sur TikTok.